Démarrons ça, jouons. J'imagine qu'il y aura un tutoriel en commençant. Hop là. Donc Legend of Keeper, c'est parti. Nouvelle sauvegarde. Crayon. Ah. Congratulations and welcome to the Dungeons Company. As you saw on the job posting, your main task is to protect the treasures we keep in our dungeons. We don't have much time to spend training you, so please keep up. Allez, n'a pas beaucoup de temps pour former, alors suivez bien, on va bien suivre. Je viens à la clin d'œil. Mais bonjour ceux qui arrivent. Les héros tentent sans cesse de piller nos trésors. Le service marketing a bossé dur. Voilà. We have a little time before they get here, so let's place our traps and our employees to prepare a defense. Ça marche. Très second degré tout ça. Catapulte ossement. Ça va, on valide, pas trop dur. J'imagine que ça c'est l'héros qui arrive. Valchrom, Mardin et Caron. Donc on a placé un piège. On valide. We always leave an empty room in every dungeon. D'accord. Ok. Donc... Some rooms are dedicated to combat. Sensibiliser les groupes d'intérêt sont comptés pour mettre en place. Faites extrêmement attentif aux attaques et aux résistances des combattants. Ok. Donc, alors lui, il est faible contre la glace, contre la nature. D'accord. Alors je comprends pas trop, il est plutôt à l'avant, c'est ça lui? Et deux à l'arrière. Ah non, c'est les attaques qu'il fait quand il est à l'avant et les attaques qu'il fait à l'arrière. D'accord, attendez, 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 on retire, j'essaie de comprendre les attaques des monstres. Donc là il fait ça. C'est là où il vise. D'accord, c'est où il vise, intéressant. Et du coup lui, d'accord, si je le mets là, il visera la case là. Ok, merci beaucoup. Du coup lui, il visera la case tout au fond. Lui, il visera la case à l'avant. Ok, merci bien. Du coup, on valide comme ça. Merci beaucoup. Et enfin le boss. Oh merde! Alors comment ça se passe? Yes. Donc là il y a eu un sort. Ah. Applique en jeu au prochain groupe de monstres. Très bien. Le choix entre les tuer ou les effrayer pour les pousser à fuir. Très bien. J'adore l'idée pour l'instant. Ok, combat, c'est dans l'ordre. Ah, c'est lui qui joue, donc il va faire épouvante. Donc un coup de morale en moins. La boule de feu à l'arrière, très bien. Cri de terreur. Il peut pas taper. Pourquoi je ne peux pas choisir qui tape à l'avant? C'est une vraie question. Ça m'intéresse de savoir pourquoi il peut pas taper à l'avant. Parce que c'est le tuto, merci. Parce que c'est le tuto, merci pour la réponse. Je suis trop con. En tout cas, je surkiffe le principe pour l'instant. Je surkiffe le principe. Donc on va refaire épouvante pour le faire fuir. On va dire, ah, elle a plus de morale, du coup il se barre comme un pleutre. D'accord. J'ai compris. Pour le fireball. Et j'imagine qu'après il va réussir à contourer avec le boss. Yes, c'est ça. Et du coup, il va taper le boss et le boss va faire MDR, je suis beaucoup trop fort. Va 8200 points de vie. Un petit coup de fouet. Oh la violence. Avec les petits cadavres derrière qui pendent et tout. Stylé de ouf. Meurs. Ok, vous avez réussi, champion, bravo.
Alors, je me retrouve dans un an pour votre évaluation annuelle. Yes! Ah, je surkiffe le principe. Je ultra surkiffe. D'accord. Disponible plus tard pendant l'Early Access, esclavagiste, du coup d'effort en monstre, piège sur moral. Très bien. Tu as déjà joué à Darkest Dungeon? J'ai déjà joué à Darkest Dungeon, j'ai jamais réussi à le terminer. Iratus, j'ai beaucoup regardé Crane y jouer, mais je n'y ai jamais joué moi-même. Donc, ok, on a des petits points de talent. D'accord, ça on peut changer pour gagner l'XP. Il n'y a pas de classé, donc regarde. Du coup, talent, j'ai 2 points, j'ai 0 points de talent. Pas de points de talent, pas de points de talent. Oh! On peut activer le modding. Non, pas le mode Twitch, laissez-moi découvrir, bande de salauds! Difficulté normale. Bon, semaine 1, aventurier. Ok. On va voir à quoi ressemble mon donjon cette fois-ci. Ah! Donc, faible au feu, faible à la glace, faible en armure. Et du coup, on a Pipo, Bozo et truc. D'accord, donc c'est monstre, piège, sort, piège, monstre, maître. Très bien. Cinquante dégâts de glace, c'est lui, il est faible à la glace. Et lui, il peut taper où? Il tape qu'à l'arrière. Ah, là. En zone, il a 100 points de vie, 120. Quand c'est pas un gros moque là, lui là, et un archer derrière. J'aime bien ça. On valide. Là, on a la quoi? 6 circulaire. Ah, mais t'as un coup de 6 circulaire, j'adore l'idée. On valide. J'aimerais. Ok, donc ça sera pour le spell. Ah, et on a un tas de nouveaux monstres à chaque fois. Trop bien. Ah, je regarde les attaques. Air, feu, feu. J'essaye. Hop, on se met là. J'étais loupé truc. Non, je crois pas avoir loupé ça. Je le choisis quand ils arrivent, le sort. Là, du coup, c'est le boss. Ok, on va voir comment ça se passe. Ok. Ah, il a changé sa place. La flèche envenimeuse. On va mettre du poison à tout le monde. Ok. Alors c'est lequel qui est sensible à la glace? C'est au milieu, du coup on va mettre glace sur tout le monde comme ça se ralentit. Ouais, elle a pris plus. Crit terreur, ils sont bien en terreur, on va lui faire un grand coup de fendoir là, bim! Avec le saignement j'aime bien. Mais il y a une capacité d'avatrie qui change la plage, je pense qu'il avait loupé. Complètement loupé. Et bon, on va repoisonner tout le monde vu qu'ils sont encore 3. Parfait. Je vois pas comment ils peuvent passer. C'est, ils galèrent déjà tellement sur le premier fight. Oh merde. Ils ont déjà tellement plus de points de vie là. En plus avec le poison, le saignement. Et là c'est l'acier circulaire. Je trouve ça génial. Voilà. C'est là où je peux leur balancer un spell maintenant. Ouais, faut de feu, hein. Tiens, brûle. Ouais, avec le poison et tout, il meurt. Bon, le moral, on s'en fout un petit peu, c'est juste que ça rend mes monstres enragés. Ouais, ils ont plus de points de vie, c'est tranquille. Voilà. Fireball pour le film. Parfait.
Bah voilà, héros tué, tambour gobelin, mâche sombre. Alors, soit on récupère un mâche sombre, soit un tambour gobelin, soit de la thune. Je suis un homme d'argent, on va récupérer de la thune pour l'instant. Confirme. As you could probably guess, dying isn't the nicest ah. experience. Fortunately, our lich doctor is here to resurrect okay. your employees for free. However, being dragged back to the land of the living after a taste of eternal peace can be quite demotivating. If your employees die too often, your employees morale. Donc pas prendre le joueur pour ça, c'est-à-dire que nous posons environ 4 autres temps. Il m'a encore réalisé qu'une défense aussi leur donneront go au combat. Ok, leur monétisation ça va. Alors, c'est quoi? Employé piège. Alors, la gestion d'équipe vous permet de choisir dans quelle salle vos employés seront déployés pendant la phase de préparation. Les employés tués perdent 2 de motivation. Si la motivation d'employés tombe à 0, ils partiront en burn-out pour 10 semaines. Si les employés récupèrent 3 de motivation, quand ils restent en 4 ans pour la défense d'un donjon. Ok. Et bon, on va essayer de pas les faire partir en burn-out, les pauvres. Bon, ça va, ils sont encore motivés pour l'instant. Ah oui, du coup, tu peux switch en fonction des salles que tu veux mettre devant et que tu veux mettre derrière. Ça, c'est cool. C'est cool. Lui, on va le foutre en garnison. Il avait un peu le seum, je peux comprendre. Le reste de la team, j'ai bien aimé. Par contre, on va mettre Damien là. 4-4, c'est bien. Les pièges, on a que cela pour l'instant. Ok. Pas de pièges en stock. Pas les hauts marchands. Ingénieurs. Dépensez-leur pour améliorer vos pièges. Dépensez-leur pour entraîner vos monstres. Bon, allez les faire travailler un petit peu, mes monstres. Alors, entraîner. Y'a qui? On va l'entraîner. 200 gold! J'ai confiance en toi, là. Elle est bien carry. On va rester là. On va partir, on en a amélioré deux. Ok, on peut bien en choisir qu'un sur les deux. D'accord, donc faut bien que je regarde là, les choses, comment ça se passe en dessous. Avec le déroulé pour voir ce qui se passe. On va s'entraîner. Événement, pardon, excuse-moi. Alors, le responsable D&D a mis en point une centrifuge qui pourrait transformer le sang des héros en larmes. Voulez-vous en profiter? Je vais dire oui, je ne sais pas à quoi servent le sang des héros. Attendez, je vais peut-être bouger un peu ma caméra, on m'a dit qu'elle gênait un petit peu. Hop, je vais la mettre là déjà, en attendant. Donc en bas à droite, nous avons le sang des héros et des larmes de héros. Bah, 30 plus 15, on va le faire, je sais pas à quoi servira, on verra plus tard. Et du coup, c'est peut-être l'alchimiste, transmuter du sang, des larmes ou de l'or en autre ressource. On va prendre plutôt l'événement. Alors, un fournisseur propose des cuisses d'humains pour nourrir vos employés à un tarif défiant toute concurrence. Cela réduirait grandement les frais de bouche et vous savez que la direction vous accorderait une prime intéressante. On va fric. Ça me va. Aïe aïe aïe. Allez, on est de retour des aventuriers. Donc, c'est parti, ils sont niveau 2 à 1. C'est les mêmes ou pas? Pas du tout. Faible à la glace. Ok. Toi tu peux t'appeler premier. Donc tu vas te foutre là. Gros moque pas content. On va mettre Damien derrière. On valide. On leur met la catapulte qui démoralise. Le sort on choisira plus tard. On met quand même la scie circulaire parce que je kiffe ce piège. J'adore le ton complètement décalé. Ouais bah le temps où... qui inverse complètement les choses en fait. Qui inverse complètement les choses, j'aime vraiment bien. Ou du coup ça prend complètement le côté des monstres et dans tout en fait. Le marketing pour les monstres et tout. T'as vraiment ce côté gestion d'entreprise. Ah oui du coup la caméra ici elle va être un peu pénible je pense. Je vais regarder vers la gauche. Si je le mettais là ce serait peut-être mieux. On voit pas les trucs. On va la foutre là la caméra. Voilà. Comme ça, je ne devrais pas gêner la vie des monstres. Et ici, on devrait être tranquille. Donc, je peux soit faire une ondre spectrale 40 de dégâts d'air, soit épouvante. On va faire dégâts d'air. Ouais. Ok. 22 glaces à tout le monde. Hein. C'est l'idée. On fait des AOE, ça les ralentit pour la même occasion. Et un grand coup de fondoir. Et son jeu plus résistant par contre. On va continuer à target la...
La Micheline derrière, Risa. Ah, même prénom que... La subordonnée de Mustang dans Full Metal Alchemist. On met un grand coup. Ouais. Bon, là on s'est carrément fait plus défoncer. Allez, petit coup de catapulte. Ah, ça s'est bien soigné par contre. On va enrager les prochains. Ok. Faire un pardon de bourrasque. Essayer d'avoir tout le monde. Voilà. Coup de lance. Tiens. Ok. Je mets les animations également. Ça passe vraiment bien pour du pixel art. Et dégâts de zone qui crament tout le monde. Donc ça saigne. On est enragé. Ça va le tuer et là ça ne tue personne, va faire un tourbillon, ça tue le premier comme ça va tranquille. Coup de lance, ça finit chimiste le deuxième. Ok, tout le mort et tout. Waouh, c'est double carbonisage. Très bien, donc lui il faudrait peut-être que je le mette en tout premier fight vu qu'il touche que les trois. Bon, alors on a un chaudron d'huile, 10 dégâts de feu, 4 faiblesses au feu. Poignard volant, ah j'aime bien pour le poignard volant. Configuer le poignard volant, ça fait un piège que j'aime bien. Du coup active, voilà, eux ils ont un peu le seum, ils ont perdu beaucoup de... Lui il risque le burn-out bientôt. C'est vrai que je fasse attention. Donc ingénieur, marchand, événement. On va essayer d'améliorer nos pièges, pourquoi pas. J'aimerais bien améliorer la scie circulaire, j'aimerais bien améliorer le poignard volant. Voilà, on part. Du coup, le pillage, c'est quoi ça? Envoyez trois volontaires, puis le lieu de votre choix. Je suis un employé pour protéger le service commercial pendant un voyage d'affaires. Allez, mon Yeti! T'as un peu de burn-out. Ouais. On va envoyer lui, hein. À le séminaire, hein. Allez, on va essayer de s'entraîner un petit peu. Il faudra qu'il aille à la garnison. Slate, elle a bien carré, il me reste quoi, 600 gold. J'ai bien aimé ce qu'il a fait aussi, lui. On va garder un peu de sous au cas où. Du coup, Ulna, il est plus là. Ilra, on va le mettre en garnison par contre. Ah, il faut que j'aille ailleurs. Okay. Là, je suis en train d'être sur l'événement. Du coup ça fait ça, ça sent salle 1, c'est pas ouf, lui il serait bien en salle 1, parce qu'il met des dégâts. Elle est niveau 3, elle est déjà morte deux fois. Gromok par contre, il peut encore mourir une fois, Gromok. Donc c'est ok. Les pièges, on a encore de la place dans les pièges, parfait. J'ai plus beaucoup d'or, faire partir quelqu'un en déplacement. Allez, on va faire partir, de toute façon, lui qui était en repos. Récupère un petit peu d'or. Oh là, aventurier ou vétéran. La compagnie possède plusieurs donjons à protéger. Nous envoyons des équipes lorsque nos affaires nous signalent l'approche. Ok. You will sometimes have the choice of several contracts. The more thanks to the company's portal service, sending you to the other... Ah, j'ai laissé les vétérans pour voir. Ta musique est bien sûr, mon cher Patrick Étoile. Alors, du coup, Gromok, Dyer, Damian, c'est validé.
Le piège, c'est parti pour mon meilleur poignard. On plâche la scie circulaire. Et derrière, c'est le même boss pour l'instant. Ok. Gros mot, ce serait pas référence à Bob le Gob. Ah, je sais pas. Ok, donc pas de target à l'arrière. Ça tombe bien, les sensibles à l'air. Allez, ça target tout le monde. On va le fendre. Ok. Ah oui, j'ai pris des vétérans, c'est normal que c'est plus de points de vie. On va continuer à target Micheline derrière. Ah, la boule de feu fait tellement mal. Ah, ça se soigne. Coquine. La coquine. Ok, ça fait saigner. Allez, on va focus le premier monsieur. Sensible au feu. Et donne-moi, c'est bon. Du coup, tourbillon, oh la vache! Ah oui, elle met vraiment des dégâts niveau 3, elle, la petite harpie. Pas bien content de la voir. Alors, continue des coups de feu. Petit mort à leur baisse. Coup de lance et bim! Vétéran, pas vétéran. Tourbillon, ça fait quand même en plus de dégâts. Voilà, sensible à l'air en plus. Et le coup de lance pour finir, il met tout ça. Parfait. Le boss de donjon qui se... Oh, Naga. Merde. 80 points de vie, dégâts air, mortier. Salut. Prends notre ami le Naga, tiens. J'aime beaucoup le style. On confirme notre Naga. J'aime beaucoup le sprite du Naga. Motivation, ouais. Gros moque, on va le mettre au repos par contre. Damien, pareil. Les pauvres. 3-1, ils sont au Gromok. Gromok repos. Damien repos. Scrata, machin. Du coup, elle, elle est bien. Elle a la maxi patate, elle défonce tout. Peut-être la mettre en 1. Avec ses phoïdes, voilà, on met ça en 2. Ok. Fitness. Très bien. Bah, allez, un petit peu de fitness, les gaziers. C'est quoi? Plus 3 de régénération, ok, moins 20. Plus 8 de puissance, je sais pas à quoi sert la puissance par contre. Ah, c'est la mienne peut-être. Ah oui, mais c'est celle de mon boss. Je suis con, c'est mon boss donc. Eh oui, c'est de mon boss dont je parle. C'est de mon boss dont je parle. Moins 20, moins 50 et plus 8 de puissance. Allez, on va aller à la salle. Si jamais les ennemis arrivent à moi, je serai plus fort. Alchimiste, événement, on va voir l'événement. Un chasseur de tête veut proposer un monstre prometteur pour qu'il la repère sur le marché. Ah, oh, j'aurais bien aimé, j'ai pas l'argent. Psychologue. On va voir ce que ça fait. Votre employé bénéficie d'une séance d'écoute psychologique aux frais de la compagnie. Tuer des humains, c'est un métier difficile. Faut souvent s'arranger avec sa conscience, surtout durant les post-tortures. Cette scène va vous permettre à vos monstres de vider vos sacs. Aïe aïe aïe, allez. On va reprendre l'événement. Quelle connerie. Une bonne chose vous propose des services de plus haut esprit recommandé raisonnable. Allez, viens. Et c'est parti pour les aventuriers. Oh oh oh. Allez, c'est parti. Oh, on commencera directement par un poignard volant donc.
Allez. Derrière. Ouais, 45 points de vie, le gobelin, c'est un peu le... Bon, de toute façon, les gros, ils se reposent là. C'est pas dramatique. Ils reviendront la semaine prochaine. Là, ils avaient besoin de se reposer un petit peu. De toute façon, au pire, ils arriveront au boss. On n'a encore jamais... ils ont encore jamais arrivé au boss. Au pire, normalement, le boss devrait les ouvrir. I presume. Alors... Du coup, on fait un creeper sans. Ça devrait rebondir. Ça, ça rebondit. Petit coup de lance. Petite persécution. Voilà. On brûle, on brûle, on brûle. Allez. Ça met pas de dégâts à tout le monde. Ouais. Pourquoi ne pas commencer par la suite? Bon, parce qu'ils la prendront après. Parce que je me dis qu'après, c'est normalement sur le deuxième fight que je vais essayer de les tuer. Allez, petit coup de fouet de flamme. Ouais. Oh. Je vais appliquer à tous autres. Fireball. Keep it in the boom. Ouais. Ah mais oui, le barbare se cache l'entrejambe et quand il court, il y a un... Et quand tu cours, il y a un... Regardez, vous voyez, il y a un petit carré noir. Quel enfer. Aïe aïe aïe. Extraordinaire. Bon, c'est réglé. Alors. Différentes choses de gagner multi-action. Ouais. Le monstre a plus de 15 points de dégâts quand le monstre est au maximum bof. Le squelette gagne 10% de points de vie. Oh, on va prendre le tournevis mystérieux. N'importe quoi. Alors, motivation, yes. On va retourner voir ça derrière la motivation. Ok. C'est bien, tout le monde a l'air au top. Ils ont l'air au top, ça fait plaisir. On aime. Toi t'es un peu fatigué, toi aussi. Ok, on va faire comme ça. Ah quoique. D'ailleurs. Plutôt mettre Srata. D'ailleurs on va le garder pour l'instant. Marchand docteur, tire la langue et faites A. Ouais, on va tirer la langue et faire A. Le ministre du travail a été contacté pour faire quelque sorte. Si tu veux récente direction sur le terrain, tout semble être en ordre. Merci. On pique l'événement. On va faire de l'alchimiste, tiens, pour une fois j'ai encore pas fait. Ah, transforme ça en thune. Oh, on va transformer en thune. Est-ce qu'on va aller chez le marchand, on va voir. Allez. Oh! Chien squelette. D'accord, on peut acheter, d'accord, on peut renouveler 25, 100. Bref. Bref. Et fléchette empoisonnée. C'est pas très poison, armure brisée, somme sanglée, j'aime bien le look. Moi, oh, c'est bon. Moi, j'ai vu que l'esclavagiste gagne 24 points de vie par entre chaque semaine. C'est moi. Salut. C'est moi. Bonjour. Ok. Eh ben écoutez, on va partir. C'est juste pour voir ce qu'il y avait, le marchand, comme on découvre. Eh ben écoutez, on va se retenter les vétérans. Ta ta ta.
Et c'est là qu'on les finishimise également, évidemment. Très bien. Ah. Et le boss derrière. Et c'est parti. Ah, c'est des vétérans donc ils sont plus forts. Faire de spectral. Ok. Ça fait du dégât quand même ces vétérans là. Ah oui. Est-ce qu'ils vont regagner tous leurs points de vie? Parce que c'est plus la même salle, la même ambiance là. Ils sont beaucoup plus vénères. Ouais, ça fout le poids de vie en plus. Ouais, 50% des points de vie entre chaque combat, c'est la violence. Allez, fouet de feu! Si c'est une neige, je vous crame! On va finir l'homme en cuir. L'homme tel la crampe. Fireball. Ouais, ça picote tout ça. Un tourbillon, hein. De toute façon, moins ils ont de points de vie, moins ils le regagneront si jamais ils vont au boss final. Ah oui, encore un piège derrière, c'est vrai. Aïe aïe aïe. Allez, tourbillon, un de moins. Non. Parfait. Alors, brise glaciale, coup de fouet. Ah. On va faire coup de fouet plus. On confirme. Tranquille, on les a eu. Bon, par contre, c'est pas ça. Niveau moral. C'est pas ouf le moral, hein. En ce moment, la famille, les amis, tout ça. Les amours, les emmerdes. Allez, faudrait que j'arrive à les réentraîner un petit peu les cocos là parce que j'ai un peu d'argent. On va améliorer nos pièges encore une fois. Bof, on prend l'événement. Ah, il vous pose le... Ouais, allez, moi tripu pour entraîner, allez, viens. Dresseur à mi-temps. On pique. Deux employés ont été pris en flagrant délit de se battre comme deux elfes pour une brosse à cheveux. Allez-vous sévir en leur imposant une mise à pied de 5 semaines et les menacer de baisser leur salaire pour qu'ils ne recommencent plus. On les ignore. Ils peuvent se battre pour ça, ça m'intéresse pas. Allez, on booste la motivation de tout le monde. On va reprendre un petit tour de vétéran. Ça me rappelle Dungeon Keeper. Ouais, un petit peu, t'as un petit côté, oui, Dungeon Keeper, effectivement. Ou Darkest Dungeon à l'envers. Comme on veut. Allez. Il était niveau 2, donc comme t'es niveau 2, t'as le droit de rester. Trois de saignement, 5 de saignement. Ouais, c'est quand même beaucoup plus fort le poignard volant. Ah, ça touche tous aussi, c'est circulaire, ça touche tout le monde, c'est mieux. Je me disais bien. Du coup, Gromok pas content, Oxar et Silette. Voilà. Et les poignards volants pour finir au cas où. C'est resté de pas regarder comme si ils sont. Ouais, mais comme je fais un test. Comme je fais juste une petite découverte, j'exagère, une petite découverte sur une petite heure. Je préfère essayer d'arriver jusqu'à la fin de la première année, voir ce que ça donne. Quitte à pas faire une game en mode un peu plus tryhard et regardant les résistances et tout. Plus optimal. Ouais, on va taper derrière. Hein. Toujours taper l'elfe. Voilà. Oh, ils ont personne qui les soigne.
Ah oui. J'aime vraiment bien les animations. Comme taper derrière. Je trouve vraiment les animations ultra stylées. Les sprites ultra stylés. I'm keeping. Ouais, c'est bien ça, ça soigne pas. Et la scie circulaire, ça va faire le taf. Allez, et voilà avec le saignement. On se fait le petit fouet de flamme sur Jean-Hugo. Ouais, elle a noix des points de vie par contre. Ils ont oublié d'amener un healer dans le donjon, les cons. C'est exactement ça. Ils ont oublié d'amener un healer, les ânes. Par contre, lui, c'est un. Le berserker niveau 3 là, ils ont des points de vie quoi. Oxar et Uric. Ça envoie du steak. Bon, après, on va essayer de les affaiblir un maximum. Waouh! On va le faire saigner, c'est déjà ça, du debuff. Et ça brise l'armure. On va continuer à taper derrière mon boule de feu. Ok. De toute façon, on lui fait plus de dégâts sur le saignement qu'autre chose. C'est ça, c'est sur le saignement qui pourrait aller prendre tous les debuffs en fait. C'est tellement un sac à PV. La vache, t'es pas prêt. Yes, et donc pour la première fois, le boss va combattre. Après, on a pris des vétérans, j'aurais pu prendre des normaux. Allez, tac, 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 voilà. Et du coup, première fois. On va aller faire un gros coup de fouet, ça nous rend des points de vie en plus, donc hop. Ouais. Vers les murs du saignement. Et derrière, on le fouette, en plus ça nous heal un peu. Voilà. Non, non, non. Vimax. On va prendre plus de Vimax. Il régénère pas mal, il a pas perdu tant de 100 points de vie. Donc tranquille, en quelques semaines, ce sera bon. Par contre, le moral, il est comment? Toi, tu peux revenir là. Ah, le moral pour tout le monde, il est ok, ça va, tant mieux. Ah, on a un entraîneur. Ah, mais on a plus de blé par contre. On peut entraîner, mais sans blé, c'est nul. On va faire un peu de fitness. On continue, on confirme. Ouais, ça nous booste l'esclavagiste. La compagnie a besoin de matériel, louez-lui vos pièges. Ouais, je peux louer mes pièges, c'est pas con. Moi, il lui louait ça. 300 gold, je prends. Hein. Allez, événement. Un de vos employés a été retrouvé mort ce matin depuis trop longtemps. Très très animé. Quoi? Hello darkness my old friend. Pauvre petit gobelin parti trop tôt. Stronger heroes are coming from far away lands. In order to better combat this threat, we have increased the size of our dungeons. Oh. Ouais, ça passe comment? Ouais, moyen chaud pour des élites. Juste des vétérans. De tranquille. T'es tranquille. Test go test l'héros. Ouais, ouais, j'aimerais bien finir mon année pour voir. Moi, je veux essayer de finir mon année. Voir. On va d'ailleurs un peu rush pour finir l'année. Voir ce que ça fait de finir une année. Voir ce que donne mon évaluation annuelle. Ah, il est plus grand le donjon, effectivement. Ah, du coup, il y a une salle de plus, c'est intéressant. Un petit coup de MC circulaire. Oh!
Oh, le gougnafier. La tête qui tombe. Yes. On te fera un entretien, annuel d'évaluation. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui se soigne là-dedans. Ça va. Une run dure combien de temps, plus ou moins? J'en ai aucune idée, Vax. Mais je suis pas sûr que ce soit un jeu que tu puisses faire par run. Je sais pas. Enfin, tu peux arrêter quand tu veux, mais je sais pas s'il y a une fin. J'en ai aucune idée. Ah, tu peux faire une boule de neige. Ouais. Si une run c'est une année, comment ça se passe? C'est par run s'il y a des améliorations? C'est par run, d'accord. Donc c'est bien par run, merci pour l'info. Une heure quand t'as d'habitude, deux heures plus sinon. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, vous m'apprenez des choses. Une run ça doit être une année, je présume. Une run c'est deux années, d'accord. Bon, j'essaie juste de faire mon entretien annuel. On carbonise un peu tout le monde. Et c'est réglé. Le boss peut continuer à se reposer. Oh, Croc de Melinda, les sacs démons régénèrent leur vie des 15%. Je sais pas si j'ai beaucoup de démons. On va prendre l'argent dans le doute. Alors la motivation. Toi, tu n'es plus motivé. Et on va garder ça pour l'instant. Marchand, entraîneur, voilà. Va y avoir du sport. Tiens, prends mon argent. Et tiens, Oscar, prends mon argent. Ok, on a tout entraîné. Alors, séminaire. Une sortie en collette. Tous les bureaux. Hop, séminaire en avant. Ah bah go, hop, on va confirmer. Marché noir. Vendre des monstres regardant de plus l'utilité, des monstres disponibles c'est au moins de valeur. D'accord, on va pas faire de marché noir les pauvres. Oh, vie d'ordure, le syndicat a remonté la requête, mettre une boîte de suggestion d'animes à disposition des employés. Mais qu'ils ne sachent pas écrire, simple geste, améliorer le moral des troupes. C'est moi de dire comme sur les ordures. Aïe aïe aïe, les pires. Allez, on va tranquillement faire ça. Hop. On va être notre scie circulaire. On met ça tranquille. Petit spell qui passe. Oh, pardon. Non. Poignard volant. Merci. Poursuite, je le nom qui droit sur quel jour. Nice. On a plus trop de tanks par contre ici. Et c'est parti. Par contre, oh, il doit être fou le point de vie depuis le temps. Je vais commencer FF14 sous peu, je suis joueur DPS4, c'est quoi le mieux actuellement? Dragoon. Ok, ça inverse tous les trucs. Oh, ça va être derrière. Ouais. Oh oui, ils ont déjà pris tellement de points de dégâts là du piège. Trop bien. Yes. Pan. Yes. Ils ont un peu défoncé, mais c'est pas bien grave. Piège. Très bien. Pan. Continue à le faire saigner. Comment c'est un peu plus velu les gens Hugues n'empêche. Fou enflammé. Allez. Après eux ils se soignent pas donc ça va. Oh. Vague de chaleur. Ah oui, ça leur. C'est les picotes.
Ouais. Alors. Ouais, va pas brosser, tout le monde veut que mes petits bonhommes puissent taper les premiers. Ou pas loin. Voilà, exactement pour ça que je voulais qu'ils puissent taper les premiers. On va faire ça. Très bien. Bon, ils ne passeront pas encore une fois. Tant mieux, ça brûle quand même. Ah. Ouais, petite brosse qui finit les deux. Heureusement qu'il est niveau 4. Tournevis. Ah bah tournevis x2. Allez, on va pomper up le tournevis. Donc ok, dans les garnisons, on peut faire revenir lui. Ulna est un peu triste. Oxar est là. Ouah, ça va Oxar. Ce serait comme bien de mettre un tank là aussi, en vrai plutôt un gros moque. Voilà, comme ça on aura un peu le choix. Alors, docteur. Il n'y a pas besoin de docteur. Marchand, rien à acheter. C'est la crise. Oui, c'est la crise. Événement, tu vas prendre l'événement. Les cuisines humaines pas fraîches, la cantine souffre d'indigestion. Sanctuaire, ressources insuffisantes. Entraîneur, déplacement. Ah, on va mettre quelqu'un à disposition là. Ouais, vas-y. C'est pas la crise dans tous les cas. Un autre événement. Ah! Les monstres que au combat, qu'à son chance, ils tout. Bah, on prend. Mage de cadran de chapeau est tombé du ciel, s'est écrasé dans l'oule d'entrée. On va prendre, c'est gratuit. Allez, on va faire les aventuriers. On arrive bientôt à la... Oh. On n'a pas trop le choix des monstres. On arrive bientôt à la fin de cette première année. Du coup, notre évaluation. Annuelle, n'est-ce pas? Question se pose pas trop. Yes, on choisira après. Deuxième piège, le coup du poignard volant. Ah oui, ça c'est le problème, la viande humaine. Ils ont pris la viande humaine française, il n'y aurait pas eu tout ça. Ça c'est quand on fait pas attention à ce qu'on prend. On donne n'importe quoi au monstre et ça se passe mal. Évidemment, ça se passe mal. Oh oui, ça tape deux fois, quel plaisir. Le mec il arrive, là j'ai midlife. Ouais, ça j'aime pas quand il fait ça, il va le découper. Ouais. Ouais, c'était sûr qu'elle le découpait. Aïe 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 aïe. Oh, on va avoir du mal à les protéger eux. Allez, petite chute de stalactite. Car il tombe, nous passons avec mid qui monte. Allez, ta 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 ta. Voilà les pièges qui font quand même bien bien le taf ici. Petit fou enflammé en plus, voilà. Les mecs, ils avancent dans le donjon, j'aimerais pas être à leur place. Ceux qui prennent dans la mouille, c'est velu. Alors, on va déjà finir par une bourrasque. Le monsieur, voilà, comme ça c'est fait. Fais-moi le malin. C'est avec un peu de chance, Gros Mog va survivre pour une fois. Ah, un coup de fangoir. Un petit coup de brasse, il ne reste plus que l'elfette, si c'est une elfette. Oh, presque. Allez. Et la bourrasque. Alors, asservissement, coup de fouet, voilà, bon, on améliore le maître, hein. Pas de problème. Là, par contre, c'est un peu la crise sur les monstres, ils sont encore un peu tous bloqués. On va attendre un petit peu. Qu'ils reviennent. On a un entraîneur, on va entraîner.
C'est juste ce qu'on va faire. On va inverser les teams. Niveau 5, il devrait carrer un petit peu. On va mettre Oscar derrière. Ok, on va faire ça en espérant que la team A défonce les petits aventuriers. Un psychologue. Plus d'argent, on va tenter l'événement. Alors, en vous baladant, vous tombez derrière avec un animal sans le citer. Vous, qu'allez-vous faire? Pour le capture. On donnera à manger plus tard. Pillage. Involontaire, 3 semaines. Juste enlever lui. Les volontaires organisaient une petite sauterie comprenant plusieurs feux de joie et des meurtres dans le pillage. J'en suis sorti indemne. Bien joué! Vous êtes les meilleurs. On peut peut-être améliorer nos pièges? Non, on peut pas améliorer nos pièges. En tout cas, pas ceux que nous désirions. Pour nos aventuriers, c'est normalement l'avant-dernier combat. Ah, tout le monde est revenu. Ça, c'est nice. Oscar, on va pouvoir le mettre là. Dior par là. Gromok là. Et on a peut-être même mettre Dior ici pour essayer de les bolosses dès le début. Et du coup, mettre le monsieur par là pour qu'il puisse se reposer dans la garnison. Et c'est parti. Alors, 6 circulaires. Toujours pas une équipe qui gagne. Ira, Dior, Silette. Gromok, Una et Strata. Même si s'ils arrivent là, ils ne serviront plus à grand chose. Le poignard qui vole. Très bien. Et du coup, le boss derrière, full point de vie de Bonobo avec le coffre et tous les trucs du monde. C'est parti. Là, c'est circulaire qui avance et qui tape une deuxième fois. Et là, on a directement la Dream Team. Ok. On va bien faire un bourrasque pour booster les attaques des deux autres. Monsieur. Yes. Petit poignard. Combustion spontanée. Aïe. Petite combustion spontanée. Le plaisir. Out of frame, comme on dit. Allez, avec le Seigneur Moetus, je devrais le tuer à terme. Je crois pas qu'ils ont de healer. Parce que bien sûr qu'ils n'ont pas de healer. Ça, ça fait pas de healer, voilà. Un de moins. Allez, c'est de stalactite derrière. Hop, hop, hop. Un fou enflammé. Le mec il va arriver, il a 1000 debuffs sur lui. Il arrive, il a plus qu'une jambe, il se traîne comme ça. Je vais arriver. Calme-toi toi gros, tu es foutu. Jeter l'élu. Ouais ouais, garde la pêche. Elle a encore plus de debuffs. Le mec son tour est battu. Et un coup de fendoir. Ah, un naga supplémentaire. Bon, fournaise. Lol, on va prendre l'argent. Alors, siège événement, on va prendre le marchand, tiens, j'ai un peu d'argent pour une fois. Une succube à 150 dégâts feu. Oh, allez, on va prendre la succube, tiens. On va acheter notre ami la succube. Alchimiste, on va changer. Ah, on peut pas changer pour de l'or, tant pis. On va aller à l'entraînement par contre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, ils sont revenus. D'hier, il fait un peu le. Il tire un peu la gueule, on est bien. Ah, la silhouette aussi. Ok. On est bien comme ça. S'occupe vraiment bien pour un build de Tréant. Quoi? Et niveau max, c'est ça? On a peut-être pas assez d'argent. Allez.
Et bah voilà, c'est bientôt notre semaine 50, ça va être le dernier combat. Bah écoutez, on va se tenter des... On va juste faire des aventuriers, voir tranquille. Faire quelques aventuriers tranquillement là. Et comme ça, je vais voir mon entretien annuel. Je veux voir quelles notes ils vont me donner. Tu pouvais utiliser le seul chimiste, changer du sang en larmes, puis changer les dents en or. C'est vrai. J'étais trop vite, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais je pouvais un peu transmuter. Allez, tudu. Et du coup, Chromoc, Silette derrière, et Oxar niveau 3, ça va les calmer s'ils ne sont pas déjà calmés d'ici là. Et c'est parti. Oula. Ça se heal ou pas chez nos amis? Il y a l'herboriste qui soigne. Ne peut pas affecter par pause. Soigne une fois au maximum un héros après un combat. Ok. Donc on peut baisser tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il est mis au poison. La ville Faka. On se doutait qu'ils allaient souffrir, mais après ils vont prendre piège, spells, piège, sort et tout. Ils vont arriver là, on va les casser en deux. Tranquille. On rajoute du poison, histoire qu'elle puisse passer tout le monde avec son passif. Un très bien. Allez, c'est circulaire, c'est parti. Et bah de boum. Un peu de fleu. Le poignard. Et ça continue. On va prendre la vague de chaleur. Allez, on va prendre la vague de chaleur. Oh, ah. 3 contre 2, sachant qu'on a la Dream Team chez nous, c'est compliqué pour vous. Merci. On va faire un tour bio. Celle qui soigne, on va essayer de la taper un maximum. Et une de moins pour le fort noir. Allez, les conflits de tourbillon. Une grande boule de feu. Et c'est réglé. Le fond noir qui règle le problème. Encore une fois, on a perdu personne de la deuxième team. That's perfect. On va prendre un peu plus d'or, encore une fois. Alors, on va aller chez l'événement. Nouveau talent. Oh, trop cher. Trop cher pour moi. Sanctuaire, on n'a pas de thunes. Séminaire, allez, va pour le séminaire. On confirme, tout le monde sera content. Formation, tiens, c'est quoi formation? Ah, oh, deux levels. Ah, ok, c'est intéressant. Du Monster Training Center. Ah bah voilà. Très bien, semaine 52 champion. Bah voilà, on va l'avoir les informations qu'on voulait. Félicité. Bravo. Ok, donc on a forcément un champion la 52e semaine. Intéressant. Ils sont tous sensibles à la nature. Et aussi un peu à la glace. Ok. Donc, nature et glace. Tout va bien. Allez, c'est circulaire. Rolaine. Mmh.
Mais bon, est-ce qu'on pourra retrouver toutes les découvertes sur YouTube? Tout à fait, Funky. Elles arriveront les prochains jours sur YouTube. Ok. Ça le faire. Alors du coup, on a vu que c'était faible la nature. Ah, j'adore, vous allez voir, il va se cacher quand il attaque. Regardez, il va avoir un petit carré noir. Un petit... je veux dire losange rectangle noir. C'est bien foutu. Alors du coup, par contre... Ça se soigne. Ok, pas de soin. Allez, on continue avec 2 points de dégâts sur tout le monde. Non, vous voyez, il y a le petit rectangle noir quand il attaque. On va continuer à faire du poison. J'aime quand une équipe marche. Poison, 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 poison. Et encore poison. Ouais. Ok. Allez. Bon, sans s'en douter un petit peu, c'est des champions hein, quand même. Allez. Là, c'est circulaire dans un sens. Elle revient ou pas? Non, qu'utilisation, qu'utilisation. Dommage. On va continuer à leur mettre des points de dégâts. Il n'y a pas de raison. Petit coup de fouet enflammé. Ça va se mettre dans l'ambiance. Attends, c'est un donjon démoniaque. Donc, ambiance fin de soirée donjon. Ça pourrait ok. Donc, il y a des sous de stalactites. Les poignards volants. D'accord. Oh. Oh, 2 actions. Nice. Et ben, champion ou pas champion, on les aura déboîtés. Allez. Ben voilà. Oh. Oh merde, gardien infernal. Po. Ah oui, on loot des vrais trucs. Voilà, pique lui, j'adore son skin. Mode full vénère. Alors tiens, du coup, c'est quoi? C'est un entretien annuel. Nous souhaitons vous proposer une promotion. Vous obtenez une promotion de salle de monstre supplémentaire. Les employés placés dans la salle de monstre sont affectés par fatigue. D'accord. Ah, mais il y a une contrainte. Et du coup, on a la deuxième année. Eh ben, vous savez quoi? On va retourner au menu principal. Plus c'est marrant. Il y a Twitch. J'ai moyen de faire un truc avec Twitch. Ah, il y a moyen d'avoir des votes de donjons, votes de soutien, nombre des viewers par les monstres. Trop bien. Faudrait essayer. Eh ben, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce... Ce Legend of Keeper. J'ai vraiment kiffé ce Legend of Keeper. Vraiment, j'ai très envie d'y rejouer. J'ai très envie d'y revenir dessus. Il est vraiment, vraiment très, très sympathique. Très bon, ultra sympathique. Mais vraiment ultra sympathique. Avoir la rejouabilité, clairement avoir la rejouabilité. Après j'ai fait un perso, c'est que le début. Mais là, cette première heure de jeu me dit qu'il faut que j'ai envie de revenir... revenir jouer. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'y revenir. Et bah écoutez, ce genre de keeper, je l'ai trouvé ultra plaisant. J'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup l'humour. L'humour avec lequel c'était mis en place et tout le reste. Et comment c'est fait, le côté marketing où tout est inversé. Vraiment top. Vraiment trop et très belle découverte pour l'instant, le jeu qui me où je me sens le plus proche pour l'instant des 5 essayés cet après-midi.